Je suppose que la meilleure façon de décrire mon œuvre serait un expressionnisme de l'avant-garde, concentré surtout sur la figure et la forme, riche en symbolisme, tout en restant équivoque. J'essaie de personnifier une idée de repos, de tranquillité, rarement trouvée en dehors du milieu de la sculpture. C'est par ce repos que l'on peut vraiment être sensible au mouvement. En gardant une position, souvent pendant des heures, je ne considère jamais mon propre confort. De temps en temps, je passe des jours entiers en pleine créativité, à considérer l'endroit, à caresser une idée, des angles nouveaux, des formes nouvelles. L'œuvre ne se termine jamais. La fin de chaque création donne le jour à une nouvelle. C'est cela, l'essence de mon œuvre. Je fais naître et, au même moment, je deviens la mort. Et ça me coûte énormément. Arriver à ce niveau de sublime exige une soumission totale. C'est pourquoi je dois, de temps en temps, me reposer. Quoique vous ne vous en doutiez jamais, il y a des moments où je me permette de faire une pause. Quel précieux répit. La musique s'arrête. Les lumières diminuent. Et pendant ce bref moment, je ne suis qu'un chat.